De nos jours, les exigences en matière de saveur sont beaucoup plus fortes. Et en se basant sur des ingrédients frais, on a de cesse de se creuser les méninges pour découvrir, inventer et rehausser les saveurs. Alors, dans notre enquête des saveurs extrêmes, quelle nouveauté va-t-on bien pouvoir rencontrer? Aujourd'hui, nous nous tournons vers l'infinie diversité des nouvelles saveurs du nouvel an apportées par le poisson. Pour notre première étape, nous partons à Yangzhong, un endroit réputé aussi bien pour sa culture culinaire du poisson que pour ses trois fraîcheurs, à savoir le poisson porc épic, la lose de Reeves et le poisson couteau. Yangzhong est donc connu pour être le paradis des produits halieutiques. Alors quelle maîtresse gastronomie notre enquêtrice Ding Xi va-t-elle rencontrer? Et quelles sont les particularités de leur spécialité? Les saveurs ineffables seront-elles au rendez-vous? Tran Chiu Lien tient un restaurant sur l'eau à Yangzhong. Pour accueillir le retour de son mari, elle nous invite à aller acheter du poisson avec elle. Notre enquêtrice, plutôt terrienne, va donc pouvoir découvrir toutes les fraîcheurs du fleuve Yangtze. Le Leyo Cassis est un poisson sauvage cher que l'on peut trouver dans le fleuve Yangtze. Les Shanghaïais l'appellent poisson rat, les Sichuanais l'appellent boule du fleuve. C'est au printemps et à l'automne qu'il est le plus fourni. Sa chair est aussi bonne que le poisson globe ou la carpe bâtarde, mais son unique arête centrale le rend très facile à manger. Ce pêcheur n'est pas parti pêcher à cause du vent. Notre enquêtrice ainsi que Madame Tan commencent à avoir peur de ne pas trouver le Leo Cassis sauvage pour préparer le banquet de retour du mari. À la montagne, on vit de la montagne. À la mer, on vit de la mer. Yangzhong étant entouré de cours fluviaux, ses habitants vivent du fleuve. L'endroit où Madame Tran nous a amenés s'appelait le port des He. De nos jours, on l'appelle la baie de la perle lumineuse. Mais les mœurs des pêcheurs locaux qui vivent sur l'eau n'ont pas changé avec le temps. Ce travail difficile, dépendant de la clémence du temps, rajoute encore plus d'attrait à la quête de fraîcheur du fleuve. Après avoir acheté notre gros Leo Cassis, nous rentrons au port pour préparer le banquet de retour. Sur la route, Madame Tran nous fait comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'un simple poisson, il s'y cache un stratagème.
Il y a une dizaine d'années, Madame Tran et son mari ont ouvert ce restaurant sur l'eau. Afin de garantir la qualité et la fraîcheur des ingrédients, Madame Tran est toujours allée les choisir elle-même. En plus d'avoir conquis l'estomac de son mari, elle a également convaincu ceux des gourmets. Si la rareté des ingrédients met en appétit, c'est la préparation de ce lait au cassis qui attire le plus le regard. Qui aurait cru qu'une fille aussi douce manie la découpe avec autant d'aise ? En 10 minutes, le lait au cassis est vidé, lavé et coupé par ses soins. On arrive maintenant au point clé. Quelle est la première des trois fraîcheurs qui nous attendent à Yangzhong ? Le lait au cassis est un poisson sans écailles. Sa surface lisse est recouverte d'une couche de liquide visqueux qui protège des attaques de micro-organismes présents dans la boue. Ce liquide a un mauvais goût de poisson, donc quand on prépare un poisson sans écailles, il faut en général d'abord l'ébouillanter, puis le laver à l'eau froide. Le poisson est ainsi bien propre, et l'enchaînement chaud-froid permet de rendre la chair plus consistante. Cette manière de préparer le lait au cassis s'appelle ici au jus blanc. On coupe le poisson en morceaux qu'on fait cuire 15 minutes dans la soupe qui donne un jus. Cette façon de faire permet de garder au mieux le collagène contenu dans la peau du poisson et de laisser un goût naturel à sa chair unique. De plus, d'après la médecine traditionnelle chinoise, le lait au cassis renforce l'énergie vitale, le qi, et draine le corps. Donc le lait au cassis au jus blanc est un très bon plat pour la santé. Voilà donc des poissons à l'origine d'une belle histoire d'amour. Quasiment ensorcelée par la saveur de ces poissons, Madame Tan n'a pu résister à suivre son mari jusqu'à Yangzhong. Aujourd'hui, c'est avec l'assistance de notre détective gastronomique que Madame Tan a travaillé toute la journée pour préparer tout un petit festin. Le moment est donc venu de s'en régaler. Mais notre détective voudrait bien savoir ce que pense le mari de ce magnifique repas de poisson qui lui a été tout spécialement préparé. Ce dicton affirmant que pour conquérir quelqu'un, il faut commencer par son estomac, n'est pas que des mots. Et quand on voit cette scène où les baguettes se croisent et les sourires s'embrasent, c'est une notion qui prend tout son sens dans la famille chinoise. La première des trois fraîcheurs est un comble de douceur. Mais quelle est la prochaine ? Dans quelle autre histoire touchante va-t-elle nous embarquer ? Wang Hong tient un restaurant privé dans un bourg de Yangzhong appelé Xilaiqiao. Il s'agit de l'île centrale de Yangzhong.
Les produits du fleuve y sont nombreux. Les habitants de Changzhou, situés de l'autre côté du fleuve, aiment venir ici le week-end pour déguster les délices aquacoles. À Yangzhong, on ne sait jamais quel poisson on va pouvoir manger parce que les habitants préfèrent les espèces sauvages. Donc les pêcheurs ne ramènent pas tout le temps les mêmes produits. Ainsi, Wang Hong doit s'adapter en fonction des prises du moment. 300. Ce barbeau est délicieux et possède des vertus médicinales. Son goût est doux, c'est un aliment neutre selon la médecine traditionnelle chinoise, bon pour les reins, le cerveau, la rate et digeste. Son cerveau est particulièrement riche et précieux. Mais quelle saveur aura-t-il avec la préparation de Wang Hong ? Un jardin avec des petits pavillons où l'on entend les chants d'oiseaux et l'on sent le parfum des fleurs. C'est un bon plan de venir dans ce cadre reposant pour déguster les délices du fleuve Yangtze. Pas étonnant que les gens des villes environnantes viennent ici en masse le week-end pour goûter à ces moments de détente et de régal. Mais comment Wang Hong va-t-elle préparer le barbeau ? Wang Hong prépare le barbeau à la vapeur. Wang Hong arrose le poisson d'un peu d'huile d'olive avant de le mettre à cuire. C'est le secret de son restaurant privé. C'est une cuisine plus saine et qui exalte au mieux la chair du poisson. Si on veut tester la fraîcheur d'un produit, il faut le cuire à la vapeur. Cette méthode de cuisson ne triche pas et ne cache pas le goût. Elle permet d'exalter au maximum la saveur naturelle de l'aliment. De plus, il y a le facteur du temps de cuisson et de la puissance du feu. Pour ce barbeau, 10 minutes de cuisson à la vapeur à feu vif suffisent pour détendre chaque fibre de sa chair et donner une texture exquise. La cuisine faite avec amour donne une saveur attachante. Le léocassis au jus blanc et le barbeau à la vapeur laissent ce doux arrière-goût des délices du fleuve Yangtze.
mais sûrement parce qu'il s'agit de cuisinières, ces deux recettes sont un peu trop douces. Y a-t-il des plats aussi plus affirmés? Le cuisinier que nous allons rencontrer va peut-être nous faire partager une expérience gastronomique différente. À la différence de nos deux patronnes qui vont acheter leur poisson, Monsieur Yang attend tous les jours de se faire livrer par les pêcheurs.240 yuan le kilo, cette grosse perche sauvage doit presque valoir 1000 yuan. Mais Monsieur Yang ne marchande même pas. Ce genre de patron qui recherche la qualité au détriment du coût est très rare. Déjà sous la dynastie des Song, la poésie vantait les délices de la perche. Et pour en trouver, les petits bateaux bravaient les intempéries du fleuve. Ayant la chance d'avoir une grosse perche sauvage, Monsieur Yang décide de ne pas la faire au restaurant pour la ramener chez ses parents et leur faire. 大叔，你这鱼怎么样？大，这鱼怎么样？大了。那完了。这不谈钱了，这个不存在钱的事情，给你们吃的有什么管它多少钱呢？哎，那咱们这鱼怎么做呀？就红烧啊，传统做法。我马上等会儿我来亲自烧给我父母吃。好的，好的，红烧啊。对。 La cuisine de Monsieur Yang est réputée, beaucoup de gens font le déplacement pour goûter. Mais sa perche cuite à la sauce soja est un peu décevante. Ce type de cuisson donne un jus épais avec un goût marqué. Cela pourrait cacher la fraîcheur unique de ce poisson sauvage. À moins que sa méthode soit un peu différente. Nous en sommes que plus curieux. Avec un poisson plus grand que le wok, il faut être bon cuisinier pour arriver à le faire cuire correctement. La spatule ne suffit plus pour retourner le poisson, alors Monsieur Yang doit le faire à la main. Mais ce qui nous inquiète, c'est que ce grand poisson n'a pas été saumuré ou mariné. En le poêlant simplement, aura-t-il du goût? On le fait cuire 20 minutes à l'étuvée à feu doux. Au fur et à mesure de la cuisson progressive au feu de bois, il se forme un jus laiteux à la surface. Aucun assaisonnement n'a été ajouté, ce sont seulement quelques louches d'eau fraîche qui donnent ce jus laiteux. Seul un poisson bien frais du fleuve permet de faire ça. Wow,哎香啊！你看这个汤就全是奶白色的。嗯，因为它姜鲜，它就是真正的原汁原味。是，咱们什么都没加，就加了清水。你看到吗？就加了清水啊！你看，什么东西没加？就这么点时间，马上这个奶白色就出来了。对，因为我自己做鱼汤的时候啊，还要这个加牛奶呢。对，所以你看这个完全不需要，完全不需要。
La perche sauvage est féroce. Elle se nourrit des crevettes du fleuve, lui conférant une richesse en collagène et en graisse, et rendant sa chair fine et consistante. Pour les habitants de Yangzhong, la cuisson à la sauce soja est particulière. On la rajoute uniquement pour colorer, car on veut garder son goût naturel. Aujourd'hui, M. Yang a invité toute la famille. En plus de la perche, il a préparé sans ménage des plats, de quoi remplir une table. En un temps, ce patron s'est transformé en véritable homme au foyer, car son plus grand plaisir est de faire des bons petits plats pour sa famille. Durant ces quelques jours passés à Yangzhong, nous avons goûté aux poissons locaux, mais aussi à tous les sentiments qui lient une communauté. L'épouse qui attend le retour de son mari, la fille qui hérite du savoir-faire culinaire de sa mère, le dévouement d'un jeune homme envers ses parents, autant de doux sentiments qui accompagnent les produits les plus frais et qui constituent peut-être même la meilleure saveur de Yangzhong. Il n'est pas exagéré de dire qu'à Yangzhong, chaque foyer sait faire de la grande cuisine. En effet, vivant à côté d'une telle réserve naturelle de poissons, la région abonde forcément en cuisiniers hors pair. Mais pour les Chinois de Yangzhong, quels sont donc les produits qui accompagnent de façon idéale le poisson? Ding Xi, toujours aussi futé, trouve quasiment sur le champ quelqu'un qui pourra l'aider. Kong Qingpu est un natif de Yangzhong, grand érudit de la cuisine locale et qui a ouvert son propre restaurant spécialisé en produits halieutiques. Quel plat de poisson va-t-il bien pouvoir nous préparer? Et que va-t-il utiliser pour en rehausser les saveurs? Ce plat est assez sophistiqué. D'après la légende populaire, ce plat aurait été inventé par les habitants de Yangzhou à la fin de la dynastie des Qing. Monsieur Kong dit que l'élément crucial de ce plat est le choix de la tête du poisson. Elle doit être grosse et riche en chair. Le meilleur choix est donc une grosse tête de carpe argentée de plus d'un kilo. La chair de ce poisson est tendre et exquise, et celle de la tête est la meilleure au goût. Les gens d'ici, très amateurs de poissons, le savent bien. En quelques minutes, l'eau bout et répand le parfum de la chair du poisson dans toute la cour. On voit apparaître la chair dont les filaments blancs reluisent, ainsi que la bouche qui devient presque transparente et remue au gré de l'eau frémissante. On parle souvent de l'agilité dans la découpe de la viande, mais aujourd'hui, l'équipe du goût vous montre le désossage de la tête du poisson. D'abord, il faut palper et sentir la forme de l'os. Puis, on vient le retirer délicatement par le côté en suivant bien sa forme et sa direction. Il semble que M. Kong voit comme la radio de la tête du poisson, tellement il connaît la position et la forme de chaque os. Il dit qu'il ne faut pas utiliser d'outils pour ça, mais seulement des mains expérimentées pour retirer les os un par un de la grosse tête du poisson, tout en gardant sa forme initiale. Il faut compter environ 40 minutes pour préparer ce plat, et c'est cette étape de désossage qui prend le plus de temps. Mais la mission du jour consiste à trouver le meilleur ingrédient pour révéler la fraîcheur du poisson,
Les habitants de Yangzhong ont-ils donc une arme secrète pour ce faire ?除了这个年头以外呢，我们还有长江的虾，长江的螃蟹，啊，还有我们这个地产的鸡的鸡脯肉，除此以外呢，还有这个金花火腿，嗯，那么这四鲜汇在一起，然后再加上这个香菇，加上这个菜心，再加上这个水笋，那这个无论从这个动物蛋白还是从这个这个植物的纤维来讲，从营养学来讲，它是非常科学的。 Du poisson, des crevettes, du crabe et toutes sortes de légumes. Le secret serait donc simplement de mélanger plein de bonnes choses ensemble. Et les autres ingrédients ne risquent pas de voler la vedette du poisson. On révèle la fraîcheur ou on fait un gloubi boulga. Pour avoir la réponse, on ne peut que suivre la progression de la recette avec Monsieur Krong. Les crevettes du fleuve d'automne ne sont pas grosses, mais ont beaucoup de chair. Et le plus important est que c'est uniquement durant cette période qu'elles portent les œufs dont on a besoin pour la recette. La haute teneur en protéines et en astaxanthine, un antioxydant, des œufs de crevette permet de révéler au mieux la fraîcheur de la tête de carpe argentée. Il faut entre 3 et 5 grammes d'œufs de crevette pour faire ce plat. Donc même s'il s'agit de crevettes bien pourvues en œufs, il en faut 250 grammes pour récupérer suffisamment d'œufs et on n'utilise pas la chair. C'est assez extrême. On doit mettre le crabe dans l'eau bien bouillante à feu vif. Cela permet de bien garder la fraîcheur de la chair et du frais dans la coquille. On ouvre la coquille du crabe et on découpe. Puis on racle la chair avec un cure-dent en suivant la structure du crabe. La fraîcheur apportée par la chair du crabe diffère de celle du poisson. Donc cela diversifie la fraîcheur et le contenu de la tête de carpe argentée désossée et mijotée. L'ajout du blanc du poulet est révélateur de la cuisine de Yangzhong. Sa nature douce, d'après la médecine traditionnelle chinoise, permet d'atténuer la nature froide des fruits de mer. On le coupe en filaments afin de donner un aspect plus fin en bouche. Le jambon de Tsinghua est une spécialité de la région du sud du Yangtze. Son goût naturellement salé permet de donner du goût au poisson sans ajouter aucun condiment. C'est ultime. Les gourmands doivent avoir l'eau à la bouche en voyant ça. Le sindou pour faire cuire la tête de poisson. L'huile animale frémissante permet d'exalter au mieux la saveur des ingrédients. Voilà donc le spectacle de la cuisson. Afin de ne pas perdre la fraîcheur des œufs de crevette et du crabe en début de cuisson, Monsieur Krong recouvre le fond du wok du gésier de poulet. Or, le blanc de poulet cuit plus doucement que la viande de poulet, donc c'est un bon choix comme fond de wok. C'est l'eau. Après avoir mis la tête de poisson, on ajoute l'alcool blanc, le vinaigre de riz qui viennent s'imprégner dans celle-ci. Puis on met du sel et du sucre apportant encore plus de fraîcheur. Inutile de sentir, un intense parfum vous pénètre les narines. C'est une osmose des saveurs dans la soupe qui vient imprégner la tête du poisson. Cette soupe qui bout est un spectacle visuel et odorant qui attire intensément notre enquêtrice. Malheureusement, elle ne peut que prendre son mal en patience. Vous dites que 2500克，嗯，那么其他的这个虾子和这个
Monsieur Kong nous explique que s'il a une si bonne réputation, c'est que son amour pour la cuisine lui a donné encore plus d'énergie pour devenir le meilleur dans son domaine. 其实我父亲是做菜做得非常好的，因为他是扬州人嘛，扬州人做菜做得非常好。那您这道菜是跟您父亲学的吗？这道菜应该说是有一点受他影响，小时候做过，我小的记忆当中他做过，但是记忆不清楚了。但是后来呢，我自己看一些资料，看一些书，系统的学习这个淮扬菜，我中国的烹饪的理论，所以我自己摸索出来。 你看，咱们从天亮啊，一直烹制到天黑，夜幕降临，这道菜也算是千呼万唤始出来了。那我们先来尝一尝它的味道。嗯。天哪，我真是很吃惊，鲜的N次方。恰恰这里面真的一点点什么鸡精啊，味精，现代的调味料、调味品都没有。 Après avoir suivi la complexité des différentes étapes de la préparation de ce plat, nous pouvons enfin comprendre l'importance que revêt la gastronomie dans la vie locale. Ainsi, c'est leur amour des produits qui les a fait renoncer aux condiments déjà prêts pour en favoriser d'autres trouvés dans la nature. Les Chinois de Yangzhou réfléchissent donc beaucoup à divers accompagnements et associations pour les incorporer à des concepts très élaborés, d'où l'impossibilité de résumer en quelques phrases ces saveurs originales. D'ailleurs, après avoir goûté à la fameuse tête de la carpe argentée, est-il encore possible d'oublier cette grosse tête de poisson bien grasse ? À Ubud, en Indonésie, qu'est-ce qui peut bien être à même de s'associer au poisson? On raconte qu'il ne s'agit ni d'un ingrédient ni d'un condiment. Qu'est-ce que cela peut-il bien être? Poursuivons notre enquête. Wow! Is it gonna be really heavy? Okay, this is really heavy. Okay. Yeah. All right, let's get it done. Well, it's not easy as I thought. Bon, nous nous sommes donné un mal de chien pour abattre un bambou, mais quel peut bien être le rapport avec ce que nous allons manger ce soir? Ah, le travail du bûcheron est beaucoup moins facile qu'il n'y paraît. Heureusement, je fais souvent du sport, ça me permet aujourd'hui de contribuer à la noble cause de la gastronomie. Ah, and also sometimes they have a hole, you know. Yeah, it doesn't look good. Yeah, mm. And also the spicy is going out. It's, oh yeah, 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 it's totally different. Yeah, that's why we have a fresh one, then we have different, when we grill this bamboo, it's not stay like this, must be roll. Oh, the bamboo. So yeah, so evenly, you know, the juice comes out and the skin gets burned. Ubud est un endroit qui a su garder un mode de vie ancestral. On utilise par exemple des tronçons de bambou pour faire des grillades. En Chine, l'utilisation de tronçons de bambou en cuisine n'est pas rare non plus, puisqu'il existe le poulet au bambou du Yunnan et le poisson au bambou du Hunan, l'un cuit au grill, l'autre à la vapeur. Lors de la cuisson, le parfum du bambou donnera en plus aux ingrédients un arôme spécial. Wow! So, you will have the fish and the chicken? And where's the chef? Ah, beautiful lady. What kind of fish is it? We call gurame. Gurame. Gurame is a water fish from the river. It's from the river, so it's not sea fish. No sea. Great. Okay. What's in there? Yeah, this is the mix. Can I smell that? Yes. Again. Yeah, yeah. No, well, let me do it. Yeah. 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 You want it? En Chine, on préfère plutôt garder le parfum authentique du bambou et des ingrédients. Mais en Indonésie, la réussite ou non d'une grillade de poisson dépend de la saveur de l'assaisonnement fait maison. Ce n'est que lorsque notre cuisinière enroule le poisson enduit de condiments avec des légumes que je comprends la raison pour laquelle cette variété de poisson d'eau douce a été choisie. Il s'agit en effet d'un poisson plat et très flexible. Ah, I see. Yeah. Ah, I see. It's like
Jamais je n'aurais pensé que le cœur d'un tronc de bananier pouvait faire office de bouchon. Visiblement, notre poisson au bambou aura toutes sortes de parfums naturels. Quand le tronçon de bambou commence à embaumer à la ronde, ce qui m'attire le plus n'est plus alors la viande de poisson ou de poulet, mais bien le mélange naturel et rafraîchissant des parfums de bambou et de bananier. Yeah, you know, it's not easy to eat good food. We need to work a lot. Right. Yeah, and actually when it comes out, it's not a whole fish. Yeah. You can see it's smashed and with all the spice in there. Yeah. Yeah. Nice? Yeah. Yeah, let's try. Bien que le poisson et le poulet au bambou ne soient plus très présentables, la saveur des arômes a ainsi pu s'imprégner de manière totalement uniforme. Really nice, you know, because the way of making it reminds me of nature. Yeah. And back there when people have nothing else. Got the forest. Yeah, we live by the forest and everything comes from that. Ici, la nature est omniprésente. Sun Xun en profite donc pour respirer à plein poumon et s'enivrer de toutes ces senteurs fraîches et agréables. C'est vraiment un cadeau merveilleux que lui a offert ce lieu qui s'apparente à une véritable oasis de paix. Après avoir goûté à ce poisson rôti pimenté, il serait peut-être temps d'opter pour un plat froid. Avez-vous entendu parler du poisson congelé? Il n'y a plus qu'à suivre notre détective Zhang Guanran jusqu'au Yunnan pour en savoir plus sur cette spécialité bien mystérieuse. Voilà que nous sommes à présent sur le rivage du célèbre lac de Erai, avec pour objectif d'en savoir plus sur le poisson au froid. Après avoir passé une nuit dehors à geler, comment ce poisson peut-il faire partie des agapes du Nouvel An? Un maître en la matière va sûrement pouvoir nous donner quelques explications. Mamie Sebing, âgée de 81 ans, habite un vieux village de pêcheurs situé sur les rives du lac Erai. En hiver, Mamie Sebing fait souvent du poisson froid. Au moment de la fête du printemps, quand les enfants reviennent la voir, Mamie Sebing en fera d'ailleurs encore plus. Papy Sebing était un célèbre pêcheur du village. Tout l'attirail de pêche qui lui appartenait, ce sont aujourd'hui ses enfants qui l'ont hérité. Mamie Sebing a eu 5 filles. Aujourd'hui, la fille de sa fille aînée est déjà elle-même maman.哎呦，这么多佐料，奶奶来快坐，快坐，奶奶。哎呦，这么多佐料，奶奶都是做冻鱼吃的。啊，这对，只有牛肉。这干嘛是花椒？啊，辣椒。这那些辣椒。啊，辣子。我这边的辣椒。啊。我们要把它打灭掉，打成这种粉状。对。哦，要用这个工具打哈。对，我这个有秘诀的，要加一点我们这边特产的菜籽油。倒碎的辣椒末里，然后加上一些菜籽油。加上几滴菜籽油。哦，这样倒出来的颜色就更美，对，味道也更鲜。哎，对。嘿，真是会吃。 奶奶，这个是什么呀？这好像是玫瑰花吧？皮节，这个叫做梅子。梅子。哎，这个是去皮的时候，我们把它摘下来，然后拿回家里面晒开嘛，晒几天才晒干了。那些冬瓜。这个。嗯。这个叫什么？酸木瓜。酸木瓜。对。这个酸木瓜是一颗一颗的，然后摘下来嘛，切成片，然后晒几天晒干了，晒干了嘛是便于储藏，储藏一年以上都没有问题。 哎呦，奶油，哎呦，酸！哎呀，这真是太酸了，这个。哎，看来它应该是一味很重要的佐料。酸的我都想哭了。Le poisson froid de Mamie Sebing est aigre et pimenté.
À la différence des gens du Nord qui préfèrent le goût aigre du vinaigre, les Bai du Hunan ont une prédilection pour le goût aigre des fruits et des légumes. Cette saveur aigre et naturelle a d'ailleurs toujours fait partie de la cuisine locale.这个天啊现在还没有亮现在呀我要和这个几个白族阿哥阿姐啊去这个洱海里把他们昨天晚上已经下好的网给挤上来 斯饼奶奶让我抓的那个做冻鱼的鱼用什么品种的鱼比较好 几口鱼 收获还不错啊，哇，阿哥，你看这条鱼好肥啊！奶奶，我回来了。对，你好，大宝。快点忙了。你看看，捞了好多鱼，还有这么多海菜。小心，师傅，他叫你小心手。啊，好的。 Mamie Sebing prépare le poisson d'une façon à la fois simple et particulière. Elle n'enlève ni les branchies, ni les vides de poisson. Il n'y a que la vésicule biliaire qu'elle enlève en deux coups de couteau. En effet, comme le poisson vient d'être pêché, tout est frais et il n'est pas question de gaspillage. Ceci fait, notre mamie a encore l'intention de nous montrer quelque chose. Le sel de Nodong est très célèbre et son mode de fabrication est tout à fait particulier. On utilise en effet le sel contenu dans l'eau des anciens puits de Nodong à Dali car elle est naturellement riche en potassium. C'est notamment grâce au sel de Nodong que l'on fabrique le célèbre jambon du même nom. Alors pour quelle raison doit-on faire le poisson froid avec cette variété de sel en particulier ? On peut dire que cette manière de faire est bien originale. Dès qu'il est plongé dans l'eau, le morceau de sel explose instantanément. Ainsi, est-on sûr d'avoir un poisson encore plus savoureux? Et oui, pour chaque étape de ce plat, notre mamie respecte scrupuleusement la tradition culinaire dont elle est héritière. C'est donc dans de l'eau bouillie et qui contient juste du sel, de la papaye aigre, de la prune et du poivre du Sichuan que le poisson cuira une bonne demi-heure.非常的期待，看看咱们这个鱼怎么样了。哇，哎，很香啊。然后现在要再放点什么佐料？放辣椒。这就是刚刚咱们捣的那个辣椒，对不对？对。这个是要最后放这个辣椒。对。撒上后以后再炖差不多20分钟。哦，再炖个2-30分钟。现在嘛，等辣椒面烧开了以后，我们就可以加葱头。哦。哎呀，真香。奶奶，现在这个冻鱼可以吃了吧？鱼子多，这个现在还吃不成，吃冻鱼这个是要冻一晚上，明天早上才能吃。还吃不着。 Après avoir passé une nuit à refroidir, le poisson est pris dans la soupe qui a gelé et qui est à présent aussi cristalline que l'ambre. Le collagène contenu en grosse quantité dans la peau du poisson imprègne la soupe pendant la cuisson et gèle par la suite avec le reste de la soupe. Dans ses grandes lignes, cette recette ressemble à celle du poisson aigre et pimenté de Dali. Cette variété de poisson mangée froid est devenue par la suite très populaire. Après une nuit laissée refroidir, le poisson aigre et pimenté s'est donc métamorphosé en poisson froid, un plat que vous ne pourrez manquer si vous venez passer un nouvel an chez les Bai.